Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du vendredi 22 novembre 2019. Et bien la photo du jour, bien entendu, c'est l'introduction réussie pour la Française des Jeux TIC gagnant, puisque l'action a gagné 16,4% en clôture, donnant donc aux petits épargnants qui étaient donc plus de 501 000 et qui avaient donc souscrit à cette introduction en bourse, une belle plus-value pour ceux qui ont déjà vendu dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont légèrement reculé hier sur fond finalement, eh bien, d'indicateurs économiques aux États-Unis un petit peu décevant au niveau donc des indicateurs avancés, même si on reste dans un contexte, c'est le graphique de gauche, où la volatilité reste très basse. Il y a peu de peur du marché malgré les incertitudes quant au traité commercial entre les États-Unis et la Chine, malgré les tensions à Hong Kong, malgré les tensions au Moyen-Orient. Vous voyez que la volatilité reste basse. Peut-être le moment de couvrir les portefeuilles si vous avez des portefeuilles investis, tout ceci dans un contexte où on a eu quand même une conférence intéressante hier de Laurence Boone, l'économiste en chef de l'OCDE, qui a revu finalement à la baisse, bien entendu, les perspectives de croissance pour cette année et pour certains pays l'année prochaine. Alors, l'élément le plus central de la déclaration de Laurence Boone, c'est finalement que le plus important, c'est que à l'ère numérique d'aujourd'hui, ce sont les fonctions cognitives et créatives qui vont être encore mises en avant par rapport aux fonctions opérationnelles et de routine, et ça aura des conséquences pour nos économies. C'est pour ça que, par exemple, la démarche faite par le gouvernement et Muriel Pénicaud sur le compte formation est très importante. D'ailleurs, sur ce compte formation, il y a eu déjà pas mal de succès, puisque 100 000 personnes se seraient connectées hier. Donc voilà, la formation continue, c'est important pour ne pas rester dans des fonctions routinières qui déprécient la croissance. Et c'est peut-être les manquer de la perspective de l'OCDE hier, donc décrite. On aura aussi aujourd'hui, et c'est assez attendu, le premier grand discours de Christine Lagarde, l'ancienne directrice du Fonds monétaire international, qui est aujourd'hui à la tête de la Banque centrale européenne et qui a succédé à Mario Draghi. Alors c'est une conférence sur le secteur bancaire. Enfin, on l'attend au tournant par rapport à des perspectives économiques et surtout à la politique monétaire qui sera menée donc par la Banque centrale européenne. Vous voyez que l'euro-dollar est resté assez stable. On verra s'il évolue au gré des déclarations de Madame Lagarde. Donc le discours sera aujourd'hui. On aura aussi mal d'indicateurs macroéconomiques sur l'activité au mois de novembre, d'indicateurs là aussi avancés et qu'il sera intéressant de suivre. Alors un point relayé par le magazine Challenge donc cette semaine, c'est le fait que la France vraiment insister sur la cybersécurité en faisant de nombreuses start-up qui sont dans ce domaine, et bien pourquoi pas des prochaines licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus de 1 milliard de dollars, en s'inspirant essentiellement du modèle israélien, même s'il est difficilement copiable. Voilà que en termes de levée de fonds et de nombre de start-up, c'est quand même dans la cybersécurité un pays qui a bien réussi. Et bien voilà, le gouvernement de Edouard Philippe et Emmanuel Macron veulent vraiment faire en sorte que nos belles start-up sur ce domaine, qui ont quand même de belles fonctionnalités technologiques sur la cybersécurité, eh bien, puissent s'imposer donc dans ce secteur ultra sensible et qui est appelé à une forte croissance dans les années à venir. Venons-en à cette nouvelle d'hier soir, puisque apparemment de nombreuses entreprises veulent boycotter le fameux Black Friday qui aura lieu vendredi prochain, le 29. Elles sont maintenant plus de 500 entreprises à dénoncer cette façon de vouloir absolument faire des promotions à pratiquement un mois des fêtes de Noël, même si dans le même temps, eh bien la FEVAD, la Fédération des commerçants, montre son optimisme par rapport aux ventes en ligne. Celle-ci en France devrait atteindre 100 milliards d'euros et 20 milliards d'euros rien que pour la période entre de fin d'année. Donc voilà, toujours un engouement de plus en plus important et significatif pour les ventes en ligne et à travers d'ailleurs le téléphone mobile, le smartphone, même si cet appel au boycott, eh bien, prend un engouement assez important pour ce Black Friday de la semaine prochaine. Venons-en au bref. Alors d'abord, une fusion qui pourrait avoir lieu dans les brokers en ligne aux États-Unis entre Charles Schwab et Ameritrade. C'est une fusion à plus de 25 milliards de dollars pour atteindre finalement, eh bien, 5 000 milliards de dollars
part de conservation d'actifs de clients. Alors, c'est plutôt une fusion défensive. Vous savez que Charles Schwab avait décidé finalement de ne plus mettre de commission sur les opérations de bourse, ce qui mettait en difficulté un certain nombre d'autres brokers et se concentrer sur le conseil aux clients. Mais voilà, ces deux boîtes fusionnent. Alors, le prochain serait peut-être E-Trade qui serait lorgné par Fidelity. Donc on verra, ça va bouger pas mal dans ce segment des brokers américains. Autre point aussi, et c'est Sanofi, donc laboratoire français, qui fait l'objet d'une revue stratégique de l'ensemble de ses activités, et l'activité santé courante, avec notamment le Doliprane, la santé digestive, etc., qui est une division qui fait 4,7 milliards d'euros sur les 34 milliards que fait le groupe Sanofi, pour être mise en vente. Alors vous savez que Sanofi a un nouveau patron, c'est Paul Hudson, qui était un ancien Novartis. Il va donc faire une déclaration d'ici le 10 décembre pour voir comment recentrer peut-être son groupe sur la santé de spécialité. Et sur ces entrefaites, eh bien, l'action Sanofi a pris 2,44% hier soir. Et si jamais cette division serait à vendre, il y a encore du potentiel donc pour le laboratoire français. Autre point aussi dans la santé, eh bien c'est Canon qui a de fortes ambitions sur ses nouveaux scanners en particulier. Alors il a installé un scanner nouvelle génération doté d'intelligence artificielle au CHU de Nancy, une prouesse technologique, mais voilà, de fortes ambitions pour le groupe japonais, et qui a un dividende quand même assez intéressant et assez rare pour une action japonaise de plus de 5%. Voilà, donc de fortes ambitions sur le marché asiatique, et peut-être une action à regarder de près en termes de diversification de portefeuille. Alors on aura aujourd'hui les résultats de Foot Locker. Hier soir après la clôture, on a eu Gap, c'était plutôt bien. Aussi Nordstrom dans les magasins américains, c'était aussi plutôt positif. Et bien Foot Locker, donc le distributeur d'équipements sportifs, va publier ses résultats. Alors, vous voyez que c'est quand même assez agité depuis 5 ans. Parfois, si les résultats sont bien acceptés, et aussi le contraire, on verra s'il est sur une bonne dynamique pour ce trimestre-là. C'est toujours intéressant à regarder. Alors, connaissez-vous Adyen? Adyen, en fait, c'est un des grands acteurs du paiement via le commerce électronique. Alors, c'est une boîte qui est cotée sur le marché néerlandais, qui pèse plus de 19 milliards d'euros et qui trace son chemin. Alors, elle a fait l'actualité parce que peut-être que elle se fait concurrencer par, on en parlait, Wirecard, son équivalent allemand. Il y avait des rumeurs comme quoi Uber pouvait passer d'un système à l'autre. Eh bien, ça a été démenti hier. Vous voyez, toujours cette belle progression pour Adyen. C'est une action intéressante qui innove sans cesse dans le secteur du paiement, et qu'il convient aussi de regarder à moyen et long terme. Alors, innovation là aussi, avec le projet Jacquard, c'est donc un projet inspiré par le géant Google sur les objets connectés, et en particulier les vêtements connectés. Alors, il y avait eu la veste donc connectée avec un partenariat avec Levi-Strauss. Eh bien, voilà qu'il y a le sac connecté, le sac à dos. Alors, c'est avec Saint Laurent cette fois-ci, ce qu'on appelle le CID-E. Il permet donc d'accéder via finalement la bretelle à donc les fonctionnalités du smartphone, comme les photos, la météo, etc. Et voilà donc cette innovation, ce projet conjoint entre Saint Laurent et Google. Il va y avoir encore de nombreux objets connectés de ce type-là dans les prochains mois. Ce sera bien Florence Foresti qui présentera la cérémonie des Césars, la 45e sur Canal+. Alors elle a été choisie, sachant qu'elle avait déjà fait une très belle prestation il y a quelques années. Et le point intéressant pour les Césars, c'est le fait que maintenant les 5, il y aura un nouveau César du public. Les films qui ont remporté le plus finalement d'entrées, eh bien il y aura finalement un vote des professionnels parmi les 5 films qui ont eu le plus d'entrées. Et voilà donc une belle innovation intéressante de prendre en compte donc l'avis du public pour cette cérémonie qui cherche à chaque fois à faire grand bruit dans le monde du cinéma français. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente journée et un très bon week-end par la citation de Charles de Gaulle, qui a notamment déclaré « La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé ». Soyons solidaires, ayons la pêche, et à très bientôt ce Morning Echo. Encore une fois, excellente journée à tous.